Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les dieux Tout-Puissants, le Maître des temps et des circonstances. Nous vous saluons dans le beau et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de là où vous êtes, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quelle que soit l'heure, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là une fois de plus aujourd'hui dans notre émission Pain de vie, une émission au cours de laquelle nous mangeons le pain de vie qui est la parole de Dieu, la parole qui nous donne la vie, la parole qui nous ressuscite, là où nous étions morts, la parole qui ramène dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le diable avait volé, la parole qui nous fait croître spirituellement parce que nous avons besoin de croître spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes toujours là, disponible à écouter cette parole. Aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de Dieu et le message que nous voulons partager tout de suite est intitulé de la manière suivante. Il est tiré de Marc, chapitre 8, le verset 33, mais je vais lire du verset 31 au verset 33 pour une meilleure compréhension. La Bible dit, « Alors il commença, il mit pour Jésus, Christ de Nazareth, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre en disant, mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Il s'agit de Jésus qui annonçait sa mort. Il annonçait qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir et ressusciter trois jours après. Pierre ayant entendu ça, Pierre l'a repris de côté pour dire, non Jésus, toi tu ne dois pas mourir. Donc Pierre a voulu s'opposer à la mission principale de Jésus sur cette terre. Et l'objet du message de ce jour est la réponse de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Et nous voulons partager le message intitulé comme étant, arrière de moi, la négativité. Arrière de moi, les pensées négatives. Arrière de moi les paroles négatives. Arrière de moi les conseils négatifs. Arrière de moi les propositions, les suggestions négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour, chaque matin, chaque instant, le diable, bien-aimé dans le Seigneur, incruste en nous les pensées négatives. Incruste en nous, bien-aimé dans le Seigneur, les paroles négatives. Nous avons des projets, nous avons des désirs, nous avons des besoins, mais le diable, son travail est de mettre en nous la négativité, de semer en nous le doute pour nous amener à perdre ce que Dieu a prévu pour nous. Je vais dire à quelqu'un en ce moment qui me suit, peu importe les circonstances que vous vivez, peu importe les situations, peu importe les problèmes que vous affrontez, bien aimé dans le Seigneur, il faut écarter de vous la négativité. Même si la conjoncture actuelle, les situations actuelles, les situations physiques vous présentent, bien aimé dans le Seigneur, des opportunités moindres, des opportunités faibles. Croyez au Dieu que vous avez choisi. Croyez au Tout-Puissant qu'il est capable, bien aimé dans le Seigneur, d'ouvrir pour vous un chemin dans les déserts. Il est capable d'ouvrir pour vous une opportunité, bien aimé, que même vous n'attendez pas. Je vais dire à quelqu'un qui se lève le matin, qui se lève, il a mal. Il a mal partout. Il a mal, bien aimé, dans le Seigneur, dans son corps. Il n'arrive pas à marcher. Lorsqu'il se lève, qu'il dise, non, je crois qu'avec Jésus-Christ, je suis capable de marcher. Je crois qu'avec Jésus-Christ, je suis capable d'avancer. Vous allez voir un médecin qui vous présente un diagnostic et qui vous dit que bientôt, vous allez mourir. Dites-lui, monsieur le médecin, je respecte votre diplôme, je respecte votre carrière, je respecte votre diagnostic, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Bien aimé, arrière de vous les pensées négatives. Arrière de vous les propos négatifs. Arrière de vous
tout ce qui est négatif. La Bible déclare dans Matthieu. Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire pour vous. Matthieu, chapitre 12. La Bible dit, au verset 36, au verset 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Car, au verset 37, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La parole est une semence. La parole, c'est le verbe créateur. La parole crée la vie et la parole crée la mort. Tous les matins, même combien aimé dans le Seigneur, ça semble ne pas aller, confesser que ça ira bien. Déclarer que ça marchera. Déclarer que ça avancera. Et je dis à quelqu'un à qui on a dit que tu mourras dans 3 mois, je contredis la parole de ton médecin, tu ne mourras pas. Je contredis la parole, bien-aimé, de ton gynécologue, de ton pédiatre, que sais-je encore, de ton neurologue. Je dis que tu ne mourras pas. Et je dis que le médecin est médecin pour lui. Le médecin est médecin pour sa science. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Et celui qui t'a créé a mis sa parole dans ma bouche pour te rassurer que tu ne mourras pas. Bien-aimé, tel que Jésus a réprimandé Pierre, a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tous les matins, il faut te lever et dire, arrière de moi tout ce qui est négatif. Même si tu te lèves, tu n'as pas d'argent dans ta poche, tu dois croire que le Dieu Tout-Puissant pourvoira. Même si tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne marche. Les dossiers là que tu as déposés quelque part est sans suite. Tu dois croire que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as choisi, est capable d'ouvrir pour toi une porte. C'est pourquoi tu dois tous les matins confesser ce qui est positif. Tu dois tous les matins confesser, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est bon pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois écarter de toi toute forme de négativité. Quel que soit, bien-aimé dans le Seigneur, les conseils que les gens te donnent. Si vous avez à côté de vous un conseiller qui vous apporte, bien-aimé dans le Seigneur, des conseils négatifs, éloignez-vous de lui. Réprimandez-le comme Christ a réprimandé Pierre pour dire, arrière de moi, mauvais conseiller. La Bible déclare dans Proverbes, les projets réussissent dans une assemblée où il y a des conseiller. Écartez de vous la négativité. Vous déposez un dossier à l'ambassade, écartez de vous la négativité. Vous cherchez un travail, écartez de vous la négativité. Vous êtes malade, vous allez à la prière chercher ces dieux, écartez de vous la négativité. Voyez les choses positivement, bien-aimé dans le Seigneur, car le positif que vous voyez, c'est le positif que vous attirez. Ce à quoi vous vous attachez dans vos pensées, ce à quoi vous vous attachez dans vos déclarations, c'est ce qui affectera vos vies. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je veux que quelqu'un commence à déclarer avec moi là où il est. Même si ça ne va pas, avec ses dieux, ça marchera. Même si hier, mardi, ça n'a pas marché, aujourd'hui, mercredi, ça marchera. Si aujourd'hui, mercredi, ça n'a pas marché, je crois et j'ai la ferme assurance que demain, jeudi, ça marchera. La tsunamite n'avait pas d'enfant. La tsunamite a eu un enfant sous l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, d'Élie, sous la déclaration positive d'Élie. D'Élisée. Mais lorsque bien-aimé le Seigneur, cet enfant est mort, elle est sortie, elle alla rencontrer Élisée, l'homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'elle alla rencontrer Élisée, elle rencontre son mari. Son mari lui dit, mais où vas-tu? Ce n'est ni l'une, ce n'est ni quoi. Mais où vas-tu? Pourquoi vas-tu chercher l'homme de Dieu? Elle répondit à son mari, tout va bien. En disant à son mari, tout va bien, dans Deux Rois chapitre 4, elle a attiré vers elle la résurrection. Je dis à quelqu'un, il te sera fait selon ta foi et selon tes déclarations. Tout ce que tu déclares dans ta vie, c'est ce qui t'arrivera. Tout à quoi tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Même quand tout va mal, déclare, tout va bien. Tout va mal, bien aimé dans le Seigneur, tu rencontres quelqu'un en route, dis-lui, tout va bien avec Jésus. Ça marchera avec Jésus. Ça marche avec Jésus. C'est pourquoi je veux que quelqu'un en bataille, mais là où il se trouve, dans son véhicule, dans sa maison, dans sa chambre, qu'il dise, je renonce à la négativité. J'écarte de moi toute négativité. Je renonce à toute parole négative. Je renonce à toute pensée négative. Et je déclare, là où le diable voulait que j'échoue, je n'échouerai pas. Je monterai. Je serai élevé. L'Éternel me distinguera. Tout ce que vous déclarerez, c'est ce qui vous arrivera. C'est pourquoi ces jours-là, pendant que d'autres espions ont rapporté à Moïse pour dire
que nous avons vu des fils d'Anak. Nous avons vu ceux qui sont de la race des géants. Josué et Caleb ont déclaré le contraire. Ils ont dit non, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et lorsqu'ils l'ont prononcé, ils ont été vainqueurs. Là où vous êtes, que quelqu'un batte les mains, commence à déclarer sur sa vie, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai de l'éternité. Si ce diabète, maladie héréditaire, même si ce cancer est une maladie héréditaire, une maladie ancestrale, une maladie généalogique, mais je crois, avec le Dieu Tout-Puissant, je serai guéri. Avec le Dieu Tout-Puissant, je ne mourrai pas avec cette maladie. La maladie qui a tué mon père ne me tuera pas. Même si selon la science, selon le dictionnaire, je suis ménopausé, j'ai la foi et je confesse que le Dieu qui a fait avec Sarah fera avec moi. Commence à confesser le positif dans ta vie. Dans tes études, dans ton travail, commence à confesser le produit là où tu es. Au moment où je parle, en battant les mains, déclare sur toi ce que tu veux. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de parler, le meilleur prophète de ta vie, ce n'est pas le prophète que tu as à la télé. Ce n'est pas le prophète des réseaux sociaux. Ce n'est pas le prophète des WhatsApp, des TikTok ou des Facebook. Mais le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Ce que tu déclares sur toi, c'est ce qui s'accomplira. Pendant que tu bats les mains, déclare que tu réussiras. Pendant que tu bats les mains, déclare que tes enfants seront toujours la tête dans la queue. Car la Bible déclare, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr, car vos enfants formeront une race bénie de l'Éternel. Papa, maman, chaque matin, bénis tes enfants. Chaque matin, prononce des paroles positives sur tes enfants. Arrête d'insulter tes enfants idiots. Arrête d'insulter tes enfants tournant vide. Déclare que tes enfants seront la tête. Même si à l'école ça ne marche pas, ce que tu déclares sur tes enfants, c'est ce qui s'accomplira. Commence à prononcer des paroles positives dans ta vie. Élève tes mains là où tu te trouves. Père, je déclare dans la vie de quiconque reçoit ce message, que quelle que soit la négativité qu'il y avait dans son esprit, que cette négativité s'extirpe de lui. Que la semence de la négativité s'extirpe de lui. Maintenant, au nom du Saint-Esprit, que tout ce qui est positif, les pensées positives, les paroles positives, Éternel et Dieu Père de gloire, soit la portion de tes enfants. Et je déclare, là où quiconque prononcer des paroles négatives, ces paroles sont annulées au nom de Jésus. Les paroles d'échec sont annulées au nom de Jésus. Les paroles de limitation sont annulées au nom de Jésus. Maintenant, je proclame la positivité. Je proclame la réussite. Je proclame le succès. Je proclame l'élévation. Je proclame la distinction. Même celui qui est malade depuis 20 ans, depuis 30 ans, au moment où il reçoit ces messages, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que les choses marchent dans sa vie. Que les choses avancent dans sa vie. Et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, à partir de maintenant, que tes enfants répondent comme Jésus à Pierre, arrière de moi Satan, arrière de moi la négativité, arrière de moi les pensées négatives, et que tes enfants maintenant confessent que ce qui est positif. Donc devant chaque situation, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, qu'ils voient toujours les choses positivement. Mesdames, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre maman Olangui. Lorsqu'elle a eu la vision, lorsqu'elle a commencé ses ministères étaient encore entre Kinshasa et Brazzaville, mais elle déclarait, ses ministères ira dans le monde entier. Aujourd'hui, notre ministère est dans le monde entier. Ce que Maman Langui déclarait, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Tout ce que vous déclarez de positif, vous le vivrez, et que cela soit oui et amen dans vos vies. Recevez la grâce de Dieu. Vivez la grâce de Dieu, que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent de là où vous êtes, de là où vous vous trouvez. Soyez bénis, que vos maisons soient bénies, que vos activités soient bénies, que vos églises soient bénies, que vos assemblées soient bénies, que vos ministères soient bénis. Même si aujourd'hui vous commencez dans un faible commencement, ce faible commencement produira la grandeur. Car la Bible déclare, ne négligez pas les faibles commencements entre les mains des Zorobabel. Quelqu'un qui vient du fumier, quelqu'un qui vient de la poussière, la Bible déclare, du fumier, l'Éternel relève le pauvre. De la poussière, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Même si vous êtes dans une faiblesse, vous êtes dans une petitesse, l'Éternel vous prendra de cette petitesse pour vous amener à la grandeur. C'est pourquoi voyez positif. C'est pourquoi confessez positif. Vous n'avez rien pour votre mariage. Confessez, dites à votre futur conjoint, à votre fiancé, que bientôt je t'épouserai. L'Éternel pourvoira. L'Éternel bénira l'œuvre de mes mains. L'Éternel m'élèvera. L'Éternel ouvrira pour moi les écluses des cieux et je reviendrai pour t'épouser. Confessez toujours le positif et l'Éternel fera des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. C'était encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos vies, l'homme de Dieu pour vous, le disciple de Jésus-Christ. Les frères Gilles, voilà, missionnaire au sein de la Fondation
Olangi Wosho, soyez bénis dans le nom majestueux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De là où vous êtes, vous pouvez acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour cette parole, pour ces messages et pour cette prière. Que le Seigneur vous bénisse.